s'en sort bien, alors qu'on avait dans un premier temps l'impression qu'il pouvait aller externe, prendre de vitesse Felipe Borges. Golenec qui lui trouve la solution. Regardez-le. Dans ce début de match. Et encore, et Golenec, que c'est bien fait de la part de Golenec. Le croisé de Baptiste Bonnefond pour le Slovène n'avait pas été décisif. En tout cas, il avait le mérite de mettre en mouvement Golenec. Guido qui va évidemment aller l'attaquer. Non. Oh, le 1 contre 1, sublime. De Juri Golenec qui est allé trouver la lucarne, premier poteau. C'est Mikael Guihou qui met de la vitesse dans ce mouvement. Sur la base arrière, les Montpellierins, Mitka Krichnik pour Golenec. Strike. Le tir bowling réussi par le Slovène. Ristanovic était masqué entre les jambes de Kedo Traoré. Mouvement d'Aymen Koumi avec Golenec. Le bloc, superbe travail de Ludovic Fabregas. Franchement, c'est lui qui a permis dans l'intervalle interne de faire la différence. Regardez le bloc sur Pierre Paturel. Ouais, rien à ajouter, Thomas, vous avez tout dit, vous avez tout vu. C'est le bloc de Ludo qui fait la différence. Pour Montpellier qui doit marquer sur cette possession. C'est difficile. Il vient tout emporter. Il y aurait de la défense chambérienne. Il y aura sans doute. Voilà Golenec, ouais, voilà. Enfin de loin. Avec l'aide du poteau. Ah, ce n'est plus la même équipe de Montpellier qu'en première période. Il aura fallu. Golenec. Oh là là, la réussite. La petite bourde. Ah oui, oui. Mijic. Golenec, tout seul.